Qui d'autre pour faire un film sur le personnage que représentait Salvador Dali que Quentin Dupieux? Franchement, qui d'autre? Moins d'un an après le génial Yannick, Dupieux revient avec un nouveau film à l'image du cinéaste et de l'œuvre de Dali, c'est-à-dire un film complètement barré. En racontant l'histoire d'une pharmacienne ou peut-être d'une boulangère, reconvertie en journaliste voulant dresser le portrait de l'artiste, ce qui s'avère être un véritable parcours du combattant. Un mot pour résumer le film. Masterclass. Pour Dupieux d'abord évidemment parce que le comique de répétition n'est pas un art facile et je l'ai trouvé vraiment incroyable sur Dali. C'est tellement bien écrit, c'est toujours surprenant, c'est toujours très drôle, c'est toujours subtil, c'est toujours d'une originalité à toute épreuve, mais combien sont-ils dans la tête de Dupieux? Masterclass pour l'ensemble des interprètes de Dali, à savoir Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, tous absolument exceptionnels, en particulier Baer qui est juste né pour ce rôle. J'ai juste une toute petite légère réserve sur Pio Marmaille et Didier Flamand qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Masterclass pour le duo formé par Romain Duris et Anaïs Desmoustiers, extraordinaire dans la peau de cette journaliste, prête à tout pour obtenir une interview avec l'artiste qui ne cesse d'imposer des exigences de plus en plus farfelues et qui doit faire face à un producteur juste imbuvable. Voilà, c'était trop cool quoi! Je t'encourage très fort à voir Dali en salle si tu apprécies l'univers du Dupieux ou le personnage de Salvador Dali. Et toi, tu l'as vu? T'en as pensé quoi? Abonne-toi!